présentation du sac Dicota Backpack Pro. Donc un premier emplacement pour le MacBook. Le compartiment central qui va permettre de ranger l'iPad dans une poche bien prévue pour lui. Je peux mettre des cahiers dans un espace réservé là aussi. Et je peux mettre mes fringues par-dessus. Je peux là ouvrir complètement comme je le ferais avec une valise avec ces scratchs qui vont maintenir ou permettre d'ouvrir complètement. Si j'ai vraiment besoin de beaucoup de place, une fermeture éclair ouvre un nouveau soufflet, ce qui me fait gagner encore un peu de place et là je pourrais encore rajouter des habits. Un dernier compartiment sur l'avant avec là une poche pour un téléphone, donc un 5 pouces il tient, une poche à zip où je vais pouvoir glisser mes clés USB, des poches filées pour des disques durs, et un mousqueton auquel je vais accrocher mon jeu de clé. J'ai encore la place pour mettre mon câble de chargement et j'aurais pu glisser également un casque audio si j'avais eu besoin. Complètement sur le devant, on a une autre poche dans laquelle je vais pouvoir mettre mon portefeuille et éventuellement un porte-monnaie ou un titre de transport. Et au dos, pour les plus parano, j'ai une dernière poche dans laquelle je peux glisser par exemple mon badge d'accès au travail. Donc j'aurai accès très facilement si je tiens la main et il est un peu protégé des regards.